Et salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se remet sur Digimon Story Cyber Sleuth. Aujourd'hui, ça fait 3 mois à peu près qu'on n'a pas repris le jeu. Donc voilà, va falloir qu'on se remette un petit peu dans le bain. Hop là. On en était voilà au chapitre 6, les disparitions de Akihabara. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais on a pas mal de choses à faire. Donc on a trouvé une affaire d'investigation. Donc on va voir ça à l'agence de détective. Une nouvelle affaire ajoutée. Et là on a Nakano Underground. On l'avait pas fait déjà ça? Aller dans le Nakano Under. Ah non, mais on devait aller. C'est bon, je me souviens. Ok, et l'autre c'est un truc d'objet trouvé. C'est pas très intéressant, mais bon, on le fera. Il fallait que j'aille dans un lieu auquel on retourne pratiquement jamais, je crois. Si, si. Voilà, ici, Tokyo Metropolitan Office. Digimon petit monstre, tu es le champion. Eh oui. Vous êtes là pour faire le tour du truc? Allez, je vous en prie, entrez donc. Oh, vous devez être confuse. Laissez-moi vous expliquer. La construction de ce nouveau building enfin, de ce nouveau Metropolitan Building n'est pas encore totalement terminée. Mais it was at one point, that is, until a major firm came in and it was decided the upper floors merited additional construction. Ok, donc il a été décidé que les étages d'en haut méritaient un petit peu plus de construction. Bref. As such, while that's going on, the lobby here remains free and open. Ok, mais bon, en tout cas, pendant ce temps, le hall reste libre et ouvert au public. Alors, tu es allé dans le building? Oh, ouais, je vois. So they're all right with you. Donc il n'y a pas de problème avec le fait que tu sois dans le hall, que tu restes dans le hall. Et ben, écoute, ça va rendre les choses un peu plus faciles. Rentre et tout ce dont tu as besoin, c'est un terminal quelque part où tu pourras infiltrer le système. Ok. So when you find, just sleep and work your magic lies always. Ok. Wish I was there to see it myself. J'aimerais bien être là pour voir ça moi-même. Ça me fait penser à la tour de Babel. Bref. T'inquiète pas pour moi. Retourne à ton travail. Donc là, va falloir chercher. Ah, il y a un terminal là-bas. Donc on va pouvoir faire un connect jump. Ah, tu as trouvé du digital shifting? Is weak while still prone. Ok, donc apparemment il est tout faible celui-là. Mais quand même assez fort pour qu'on puisse le repérer tout simplement. It could be a sign this place will turn into a labyrinth. Ça pourrait être un indice concernant le fait que cet endroit devienne un labyrinthe plus tard. Et d'ailleurs, effectivement, il me semble d'ailleurs que ça va être la fin du jeu. À la fin du jeu, que ça va être un labyrinthe, ça, non? Je sais plus. Bon. En tout cas, pour l'instant, essaie de faire un connect jump dedans. We have no idea. On ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, alors reste sur tes pieds. Ok. J'ai que deux Platinum Sukamon? Je n'ai que deux Platinum Sukamon. Bon, c'est pas bien grave. Oui, ils sont pas très beaux, mais ils multiplient l'XP. Donc je les garde.
3 bug recovery, ça c'est pas mal en vrai. Parce que les bug recovery, les bugs, le bug c'est une altération de statut qui est très 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 chiante. Ah merde, alors par contre moi là j'ai... On combat des antivirus et moi j'ai que des virus, donc ça va être un peu chiant. Ça va être très chiant. Ça marche par triangle, hein. Les virus sont forts contre les data. Les data sont fortes contre les antivirus. Et les antivirus sont forts contre les virus. Donc bon. Ce qu'on va faire. On va changer. Ah, d'accord. J'ai même 0. Oh là là. Faut que j'enlève Westmon en vrai. En fait, ça va me permettre d'être. Les Platinum Sukamon, ça va juste me servir à avoir des gains, des boosts d'XP. Et les Numemon et Blacking Numemon, c'est la même chose, mais en plus puissant, mais en cours de travail. Et donc, du coup, ça me laisse que Wasmon et Angewomon, vraiment pour le combat en tant que tel. Mais bon, bah là, autant vous dire que ça va être. Être un petit peu plus compliqué que ça. La plante. Ouais, non, au feu plante. On peut éventuellement essayer, mais. Ah ouais, je vais quand même un petit peu galérer ici. Hein. Le Rare Metal Poop, peut-être, je sais pas. En plus, c'est con parce que ce sont pas forcément des Digimon qui sont très forts en fait. Et vous voyez que eux, sur tous leurs coups, en fait, ils sont avantagés. En fait, on va change Wasmon par Angewomon. Déjà, Angewomon pourra attaquer plus fort. Déjà, c'est une forme ultime. Ouais, re-Ayu. Oh, c'est con, il m'aurait fallu soit du feu, soit de la plante. Ah, j'ai Holy Light quand même. Ouais, c'est déjà mieux. Or, Tantomon a l'air déjà un peu plus. Un peu plus fragile. Bah du coup j'ai Angewomon avec moi, ça tout va bien. Je pense que Angewomon fera le taf en vrai. Ok. Donc Angewomon va s'occuper d'Agumon et par contre, Patamon c'est une data, donc les Platinum Sukamon vont bien gérer normalement. Là, tu vois. Impeccable. Blacking Numemon, Numenom, Numemon. Alors Blacking Numemon, pour le faire se digivolver en Platinum Numemon, du coup, ça le demande à l'emmener au niveau 65. C'est assez énorme, on va pas se mentir. Mais bon. You'll be happy if I pour up here. Oh, bah vas-y. Feel free de développer ta force, mon brave Saucerimon. Oh putain, y'a un hitter. Oh putain, y'a un hitter. Oh putain, y'a un hitter. Ok, alors là, tout de suite, je fais moins le fier. Parce que les hitters sont des boss très chiants.
Alors, on va voir un petit peu si j'ai pas des trucs qui peuvent aller. Angewoman, c'est quoi son Celestial Arrow déjà? Magic Attack. Alors, il faudrait. En fait, pour pas trop galérer sur les hitters, il faut. Enfin, les hitters en tout cas de cette forme-là, les formes un peu escargot là. Deux solutions. Soit. T'as une attaque qui inflige un nombre fixe de PV. Soit t'as une attaque qu'on appelle les attaques pénétrantes. Donc soit Death Penet, soit Death Penetrating, soit Intelligence Penetrating. Donc là, le problème, c'est que je crois bien n'avoir aucun de mes Digimon qui a une telle attaque. Et je vais galérer sa mère. Dorogamon, non. Tyranno, tout ça ensuite ça va être trop faible. J'ai Rapidmon, mais Rapidmon c'est pareil. Rapidmon c'est un ultimate, donc il est quand même, il a quand même pas mal de puissance, mais bon, bah, le problème c'est que les hitters ça reste des ennemis qui sont très particuliers. Vidramon, non, ah non, ah non. Léomon non plus. Inferimon qui est ultimate, mais voilà, Spider Shooter, c'est pareil, c'est pas vraiment ce qu'il me faut. Après, c'est difficile. Après, on va pas se mentir, c'est difficile dans le début de l'aventure, et avec des Digimon encore champions et même ultimate, d'avoir des attaques intelligentes ou Death Penetrating. On va essayer. Essayer, j'ai bien dit essayer, de voir si je peux digivolver des Digimon, mais j'ai comme un doute. C'est pas ouf, hein. Ok, on va voir ça. Ikakumon, on a des digivolutions possibles. Alors j'ai Wamon. Alors Wamon de mémoire, non. Et ça, je pense que ça va donner un. Attends, c'est Ikakuman. Un Mac Gaogamon à tous les coups. Mais. Ça me sera pas trop utile. Je peux essayer cette digivolution-là en vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On fait? J'ai bien envie d'essayer, moi. Remarque, de toute façon, c'est un Digimon. Pourquoi il est dans la banque, lui, d'ailleurs? On va essayer, je pense. Ah, Zudemon. Alors, Zudemon, je ne pense pas qu'il ait un skill qui nous arrange. Ouais, non. C'est dommage. Zudemon. Ouais, non. Alors, lui, je peux même pas l'avoir parce que j'ai jamais eu. Sub-Zero Punch non plus, c'est pas ouf. Bon, tant pis. Ici on a un Angemon qui peut devenir Garudamon, mais Garudamon, non. Non, non, non. Et puis les autres, il manque des trucs. Alors ça va être Shokakumon, et ça va être ben, Mirage. Non, Magna Angemon, pardon. Magna Angemon. Attends, ça me demande quoi pour Magna Angemon? Max SP à 80, et je suis à 77, c'est pas ouf. Vivement demain que je retrouve mon confort, mon lit, ma connexion surtout. Tu m'étonnes. Et Mario Foot! C'est quoi ce truc? Et bonsoir, Pta, comment tu vas? Après voilà, le truc c'est que Angemon. Ah, je peux essayer d'avoir. Bah, je vais avoir Magna Angemon. On va prendre Magna Angemon. Là, je le reconnais. Hein. La silhouette, c'est Magna Angemon, c'est sûr. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Et par contre, voilà. Shokakumon, bah déjà,
J'ai pas souvenir qu'il soit super ouf. Et puis en plus, il faut que la camaraderie soit à 100% et qu'on ait un Ankylomone avec la camaraderie à 100%. Voilà. Mais de mémoire, il est très très puissant, Magna Angemon. Mais là, est-ce que ça va vraiment nous arranger dans le cas présent? Je suis pas sûr du tout. Ah, il est très classe par contre. Heaven's Gate, voilà. Il est très très bon. Mais voilà, c'est pas encore. On a un Dorugamon qui peut rien devenir là. Oh putain, il me faut de la camaraderie. Ou alors Def à 75. Ou alors SP Def. SP Max à 75. 67 et 72. 60, on peut l'avoir. Après, on peut augmenter la camaraderie pour essayer d'avoir celui-ci. Mais je suis pas sûr. Yeah, mais KO du week-end et toi? Eh bien, ça va bien, merci. Bien reposé du week-end, mais bon, même si j'ai pas mal bossé. J'ai à peine rattrapé mon retard en tout. Je sais que je suis un petit peu à jour pour TikTok, mais il faut encore que je bosse dessus ce soir pour préparer ne serait-ce que la vidéo de demain. Je vais peut-être lui donner des trucs du friendship à lui. On va voir. Tyranomon. Oh, on a pas mal de trucs. On a ça. Ça, je vois pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un Greymon ou Simili Greymon. Ça, on est sur Tyranomon. Donc, c'est pas un Greymon, mais c'est peut-être un Metal Greymon. Autre... Non, Metal Greymon, il est là. Attends, DLC. Ah, c'est la première édition. Ah, y a des... Ouais, ça, c'est un truc dommage. Les Digimon exclusifs à la première édition. Et ça, je crois que ça doit être du coup Metal Greymon bleu. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, ça c'est Mamemon, clairement. On va voir ce que c'est que ça, parce que ça j'en ai aucune idée. Donc Tyranomon c'est un champion, donc on va avoir un ultime hein, là. Ah, Mega Dramon. Bouf, voilà. C'est pas encore une attaque pénétrante ou à dégâts fixes. C'est un peu dommage. Après, on a Dorugamon que j'aimerais éventuellement avoir ici. Rapidmon, il est déjà. Voilà. Rapidmon, c'est déjà un Digimon qui est ultime. Donc forcément, ça allait pas être pour tout de suite. Repamon non, Wasmon bah, je l'ai déjà et non. Saucerimon. Ah, on a Wasmon. Wasmon reduces HP. Ouais, je suis pas. Il est très bien. Ah non, je confondais, c'est pas le bug qui est très chiant, c'est le dot, oui. Pandora Dialogue, mais bouf. Pour l'instant, bouf. Il manque quoi? De la speed. Ah ouais, il me manque pas mal de speed encore pour lui. Et la speed et attaque, il me manque encore plus de speed et il me manque de l'attaque en plus. Donc, Fixed damage! Je pense qu'on va prendre Hitmon, les gens. Hitmon, regardez. Fixed damage of 101 foe. Donc, Impmon, il est bien. Je pense qu'on va faire une Digivolution en Impmon. Après, le problème, c'est qu'il est niveau 1. Donc, on ira faire des combats un petit peu pour le faire un petit peu monter de niveau. Parce que sinon, il va se faire défoncer en une attaque par le hitter. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Après, à voir Impmon, est-ce qu'il peut se digivolver, par exemple, en... J'espérais trouver Fixed Damage of 150 en Black Gatomon, c'est pas mal. Black Gatomon, c'est pas mal du tout. Ça demande de la camaraderie par contre. Et ça demande le niveau 16, ça il sera facilement atteignable. Hein. On va pas se mentir. Mais Black Gatomon, ça sera pas mal. En vrai, oui, carrément.
On va continuer un petit peu le petit tour, mais... Dorugamon, du coup, voilà. Metal Mamemon, bouf. Grappleomon, ah bah non, de toute façon, Digivolution not possible, là. Et les autres, ils demandent le niveau 28, notamment lui. Ah, je peux l'avoir ici. Mais c'est pareil, c'est pas vraiment le genre de truc que je recherche. On a un Infermon niveau 23. Ouais, mais c'est pareil, Infermon, on le voyait tout à l'heure, c'est un Ultimate. Ok, faudra que je prenne Impmon et on va essayer de le faire digivolver en Black Gatomon. Et Kawa, bonne nuit à toi, gros bisous. À la prochaine. On va voir dans la partie si jamais il n'y a rien qu'on puisse faire. Après, voilà. Moi, ce que je veux, c'est faire ça, en fait. Donc, fuck it. Les Platinum Sukamon, on peut les faire digivolver en Etemon, mais ça va faire que je vais perdre la capa de. Putain, c'est épais. Attends, ça, c'est trop bien, ça. Tu me diras, je les fais digivolver en Etemon, et derrière, je peux les faire dédigivolver. Le truc, c'est que ils vont être niveau 1 ensuite. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, voilà, skill, c'est increase XP in earn in battle. Et j'ai l'impression que le... C'est pas beaucoup, hein. Que c'est pas beaucoup. Putain, il va encore falloir que j'aille aux toilettes. Vous êtes sérieux? Je vais faire ça, je pense. Au moins un. On va faire pour un. Et on va prendre un Impmon. Et on va prendre Impmon, tout simplement. Hop. Non, par contre, ce que je veux, c'est aller le dans Move. Ah oui, d'accord. Bah, à la place de Waspmon. Voilà. Donc là, on a Etemon. On va virer. Ah bah non, Angemon, faudrait que je la garde. Non, en vrai, on va pas mettre Etemon ici. On va mettre Impmon parce que Impmon doit avoir de la camaraderie, il me semble. Est-ce qu'on a un truc pour Function Call? Non. Donc il va falloir se promener. Voilà. Le problème c'est que voilà, on a que des. On va avoir que des monstres comme ça donne pas grand chose en point d'XP. Et en plus, j'ai un. J'ai un Platinum Sukamon de moins, quoi. Oh non! Oh, par contre, awesome. Ok. Bon. J'ai un peu les boules là, parce que Hipmon, j'espère qu'il monte quand même assez rapidement de niveau. Et Temon, il vient déjà monter au niveau 8.
qui est pas mal. Ouais, mais voilà, ça a beau être des Digimon niveau disciples, je pense qu'ils ont quand même un haut niveau. J'espère qu'on va pas trop perdre de temps là-dessus, hein, par contre, parce que moi qui voulais avancer un petit peu l'histoire et tout. Mais ouais, les haters, c'est assez chiant à. Hein? Oh non, pas Ocean Wave. Ah putain, Immon, il est déjà mourant, quoi. Ah, mais elle a revive en Jomon. C'est bien ça. Par contre, va vraiment falloir que j'achète. Je sais même pas si j'ai des friendships. Friendship, en fait, ça fait monter l'amitié de ton Digimon. Et pour certaines Digivolutions, c'est nécessaire. Oh, attends. Par contre, là, en premier, on défonce. Goma. Quoi? Un petit revive, s'il vous plaît. Oui, alors là, par contre. Eh, fixe damage! On va pouvoir voir ça. Et ça a augmenté mon intelligence. Incroyable. Putain! Ça se voit hein, qu'il est pas trop au niveau. Par contre, en Jouamon, du coup, ça lui coûte bonbon en XP, hein. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Niveau 16, hein, pour sa montée de niveau à Impmon. Donc là déjà, on va niquer l'antivirus. Ok, impeccable. Là, ça va bien se passer, normalement. Impeccable! Plus que 3 niveaux pour Impmon. Il en est à combien, Itemon? 13 niveaux. Niveau 13 aussi. Ok. Et après, ce sera la même chose. Hein. Par contre, Black Gatomon, il faudra l'XP un petit peu, hein, malheureusement, mais. Faudrait que je vois un petit peu où est-ce qu'on peut faire ça efficacement. Ok, il a pas trop fait chier, c'est toujours ça.
Vous dire que je m'en vais. Ok, Yupa, bah bon. Bonne nuit à toi, profite bien de la fin de tes vacances et gros bisous, à demain. Tu seras là pour Mario Foot ou pas? Niveau 15 pour Impmon. À demain pour la soirée multi, qu'il a dit. Bah oui, du coup. Hop, on va faire Digivolver. Logiquement, je suis chez moi en fin d'après-midi, donc ça devrait être bon. Ok, impeccable. Donc il y aura Mario Foot et puis ensuite Calculture. Je pense que Calculture, on s'y mettra sur les coups de entre 21h30 et 22h. Histoire que Edol puisse venir avec nous. Si jamais elle veut, évidemment. Mais qui ne voudrait pas être avec nous? Et normalement, voilà, lui il arrive level 16. Putain, ça a été la foire à la... Au level up. Donc on va faire Digivolver Impmon. Faudrait que je vois les Numémon. Quand est-ce qu'ils peuvent Digivolver? Mais ils peuvent! Ils peuvent depuis un niveau. Mais c'est trop bien. Je vais avoir une armée de Black King Numémon, ça va ressembler à rien. Alors par contre, oui et non. Voilà, c'est ça le problème. Que c'est ça le problème. Sachant que Numémon, celui-ci aussi, il va pouvoir... Là maintenant, je vais avoir une partie memory qui va être beaucoup trop petite. Je sais, je sais, je sais. Et c'est pas fini parce que, tu vois, Impmon. Ah, alors peut-être que je peux pas encore. Oh putain. Je peux faire plein de trucs. Voilà. J'ai pas assez de camaraderie pour Black Gaoga. Bah, franchement, c'est dommage. En trois combats, ça aurait été faisable. Mais... Mais flemme en fait. Alors par contre. Par contre. Comment on fait? On va garder Platinum Sukamon hein, pour des raisons évidentes. J'ai mon Etemon, bah, il va falloir que je continue à l'XP. Il va être très important. Anjouomon, en tout cas pour. Pour faire les combats dans cette zone, ça va être important. Je crois qu'en fait, on va enlever Black King Numémon pour l'instant. Celui-ci. En vrai, non. En vrai, je pense que ce sera plus rentable d'enlever un de ceux qui sont niveau 1. Comme ça, histoire que j'ai un Platinum Numémon quand même le plus rapidement possible. Ok. Juste du coup, les objets, les items. Est-ce que j'ai des friendships? Oui, ah ben j'en ai un. Et là, normalement... Alors par contre, j'espère que ça fera pas un gros gap non plus en termes de partie memory, parce que sinon ça va être chiant. Faut que le gap entre de mémoire entre Impmon et Black Gatomon soit de moins de 3. Et je crois qu'il est de plus. Ah non, 60 piles. Ok, impeccable. Juste petite info. Ah ben là j'ai des infos que sur Nightmon qui.
Ok, bah on va un petit peu XP Black Gato Mon, mais juste après la pause. Je vous dis à tout de suite, les enfants, ne quittez pas. Allô, 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 allô! Alors, je pense qu'on va pas passer énormément de temps sur ce grinding. Parce que bon, c'est peut-être un Inter qui est en face, mais bon, j'ai une attaque intelligence pénétrante, j'ai une attaque à dégâts fixes. Normalement, ça devrait pas être trop un problème. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec le hitter, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec ce jeu, les hitters et sur, enfin, en tout cas, notamment ceux-là, qui sont les hitters de début de jeu, ce sont des ennemis qui ont une défense énorme, mais par contre en contrepartie qui ont peu de PV. Donc du coup on met du temps à les battre parce que bah, du coup chaque attaque ça leur enlève 10 points de vie quoi. Et c'est pour ça qu'avoir une attaque à dégâts fixes avec Black Gatogamon notamment, ça leur fait extrêmement mal. Je sais que typiquement je faisais ça avec un Devimon à l'époque. Qui a une attaque qui enlève 200 points de vie. Mais c'était un monstre contre les hitters. Alors après, on a d'autres hitters d'autres sortes de hitters qui interviennent dans le jeu. Et là, ça devient plus du tout suffisant. Parce que c'est un gros pic de difficulté ensuite, ces hitters-là. Mais. Pardon. Mais voilà, tout ça pour dire que avec. Black Gatogamon d'une part et Etemon d'autre part, je pense que ce combat sera pas trop difficile. Après, voilà, faut quand même un peu XP parce que l'air de rien. Attends. Donc oui, je disais, il faut quand même un peu XP parce que l'air de rien, vu que notamment Black Gatogamon est niveau 1, il se prend un shoot par le hitter, il est mort, hein, clairement. Comment elle met des claques, n'empêche Angewomon. Je vous laisse pour le de fou. Bonne nuit, Zielki, gros bisous à toi. Et à demain. Level 8, level 16, level 9, parfait. Ok. Qu'est-ce qui se passe?
Today we're gonna... I'm gonna clean the farm. Oh. Il est mignon, il a nettoyé la ferme. Bon. Pour la suite. Ah, je voulais voir un truc aussi. Non, merde. Black Gato Gamma, Black Gato Mon, putain, ça veut pas. Hein. Increase dark skills by. Ok, ça augmente les capas ténèbres de 15%. C'est. Ouais. Bouf. Ça, je pense que je mettrai. Je pense pas que je mettrai en Jomon, je pense que je mettrai Platinum Scamon pour multiplier les points d'XP de Twitter. En vrai. Et Temon réduit les dommages physiques reçus de 15%. C'est pas mal ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une capacité d'un Pokémon qui est en jeu s'applique à tous les Digimon de ton équipe. Donc en gros, là, ça réduit les dommages physiques reçus de 15%. Mais du coup, ça va réduire les dégâts reçus par Etemon et aussi par les deux autres Pokémon de Digimon de l'équipe. Donc franchement, c'est impeccable. Je pense que je vais essayer d'amener Black Gatomon environ vers le niveau 15, pareil. On verra. De toute façon, là, il est quoi, il est niveau 8, je crois. Donc on va faire ça pendant encore 5 petites minutes. Histoire de voir jusqu'où on peut aller. Et ensuite on fera un essai contre le hitter. Là faudra que je vois Black Gatomon et tout combien de... Tiens, je peux avoir Nightmare 2. Black Gatomon vient de débloquer Nightmare 2, c'est bien ça. À la place de Sand Knuckles, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup plus d'intelligence que d'attaque. Hein, donc, Nightmare 2, ça, il n'y a pas à dire, c'est vachement mieux. Et le reste... X-Heal. Bah, à la place de Hill, typiquement, voilà. Je pense que c'est pas mal comme ça. Angewoman, j'avoue que j'ai pas trop regardé ce qu'elle avait depuis un moment. Ice Archery. Aura, c'est quoi déjà? Restore... Ouais, ok, ça sert à rien d'avoir Aura et Hill. Ice Archery, ce sera pas mal. Ça, c'est surtout utile pour endormir la cible, hein. Platinum Succumon, je sais pas si on a d'autres trucs. Caractère Reverso. Non. Etemon. Hellcrusher. Non. Par contre, il peut bugger les gens aussi. Ah mais oui, puisque c'était un ancien Succumon. Platinum Succumon. Ok. Bah écoutez. Texture Blow. Oh! Black Inumemon, il peut dot les targets. Ah, oh, c'est bien ça. Bon, c'est bon comme ça. L'équipe me plaît bien comme ça. Et notamment le dot. Le dot, c'est tellement chiant. En fait, pour vous dire, le dot, ça empêche d'utiliser les capacités spéciales. Du coup, on ne peut faire que des attaques simples. Et autant dire que contre les boss... Juste des attaques simples, c'est très 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 loin de suffire. Et donc du coup, à un moment, il faut vraiment composer son équipe, contre certains amis, il faut vraiment composer son équipe autour de l'anti-doting. Ce qui fait que, bah, notamment, il y a Vademon, de mémoire, qui... Hop. Il y a Vademon notamment, donc disais-je, qui protège toute l'équipe du dot. Voilà. Mmh.
J'emmène Black Gatoman jusqu'au niveau 15. On sauvegarde. On se soigne, on sauvegarde. Et on teste le combat contre le hitter. Il est aussi, j'ai un boss à taper sur Xeno. Merci Edol, gros bisous à toi. À la prochaine, bah demain du coup. Et bon courage pour ton boss. Niveau 13, je pense que en deux combats, ce sera bon. Après deux combats, on pourra faire l'essai contre le hitter. Alors par contre, après, typiquement, je pense que Etemon, je vais le dédigivolver pour retourner sur Platinum Sukamon en vrai. On est sur des 816 d'XP. On pourra faire le test après, je pense. Je ferai le test une fois qu'on aura battu le hitter. Quel est le multiplicateur en fait? Parce que j'ai l'impression que le multiplicateur d'XP est vachement moins fort. Sur les Platinum Sukamon que sur les Platinum Numemon. Oula. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je regarde des trucs. Ok. Oui, même si là... Oh, puis en plus, ça panique. Oh. Bon, par contre, on peut pas infliger, il me semble. Oh, on peut l'emmener quand même au niveau 16 avec... Je pense que je vais l'emmener niveau 16 avec Black Gatomon. Ouais, mais après, ça va être un cercle vicieux où je vais pas... Je vais faire, bon, un niveau, encore un niveau, parce que c'est un peu frustrant là d'avoir plus que 9 points d'XP à obtenir pour faire monter Black Gatomon de niveau, donc voilà. Hop, on fait ça vite. Hop. On dit au revoir à Gomamon. Putain, on dit au revoir à Gomamon, j'ai dit. Oi, oi, oi. Attends, c'est qui? Ah bah hop. Donc oui, je disais, même si vous voyez, on a quand même un désavantage de type, on leur ferait très très mal. Voilà.
Allez, on va se soigner. Parce que là, l'air de rien, on y est depuis bientôt 1 heure et on n'a pas fait grand-chose encore, malheureusement. On sauvegarde, parce que sinon, c'est la merde. Là, c'est vraiment un game over à l'ancienne où tu as game over, donc tu reviens à l'écran titre. Hein, donc, J'ai pas mis. J'ai pas mis l'équipe que je voulais. Je suis un boulet. Je suis à combien? Je suis à 100%, c'est bon. Le reste. Bah, Lightning Po. Vous voyez, on a retiré plus de la moitié de la vie. Paralysé, ok. Voyez, 8. 8. Et l'attaque Intelligence Penetrating. Je sais plus exactement comment elle fonctionne. Mais oh putain, on l'a tellement. Ouais, peut-être qu'on l'a overkill hein, en vrai. Mais franchement, je suis satisfait. Et on a quand même quasiment 2500 points d'XP, ça c'est pas mal. En vrai, ça aurait peut-être valu le coup d'avoir un Etemon à côté. Ah, donc tu as trouvé un hitter. Bah, tu coudes. Mais tu n'as vu aucune autre preuve? You're not seeing the... Tu ne vois pas le... Hein? Ah oui, donc en gros, tu ne vois pas la forêt derrière l'arbre. Enfin bon, en référence, je pense à l'expression c'est l'arbre qui cache la forêt. Enfin bref. Le fait qu'il y ait un hitter dans le terminal, c'est une grosse preuve en soi. Mais enfin bon, ça suffit pour aujourd'hui, reviens au bureau. Ah merde, je peux pas faire la comparaison? That was probably hard work going on. Donc c'était sûrement beaucoup de travail. Donc, mais grâce à toi, je commence à comprendre un petit peu, à rassembler réussir à emboîter les pièces. Enfin, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut dire ça en français. Je commence à comprendre en gros, à reconstituer le puzzle. Je crois que c'est plutôt ça l'expression en français. While you were, j'ai décidé de mesurer les vagues digitales qui sortent de ce building, de ce bâtiment. Et j'ai trouvé que le building du Metropolitan Government lui-même est un gros champ de force de Digital Wave. Donc de ce que je peux en dire, l'énergie arrive dans le Tokyo Metropolitan Government Building via les ley lines du coup dans les souterrains de Nakano, ce qu'on avait visité la dernière fois, donc il y a 3 mois. So that underground lab Kamishiro has believed the controlling. Ok, donc en gros, ce labo souterrain de Kamishiro contrôle probablement ce flot d'énergie. Parce que oui, donc si on était allé dans ce bâtiment, c'était parce que on avait atterri en recherchant un petit peu l'origine de flux, si je me souviens bien, on avait atterri dans un laboratoire souterrain qui appartenait à Kamishino, qui est donc l'entreprise en fait dans laquelle l'entreprise sur laquelle on enquête. Ouh. Tu te souviens ce que j'ai dit à propos des ley lines quand tu étais dans ce tunnel, hein?
Il y a deux choses ici. Le flot naturel d'énergie de la Terre suivant les ley lines et les digital waves qui émanent d'une mer d'électrons. If you can make a massive structure like that. Ok, si tu veux faire une structure massive comme le Tokyo Metropolitan Government Building, comme un hub entre ces deux choses, eh bien on peut manipuler leur flux. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? Eh bien, en gros, digital wave might be invisible for the naked eye, but they have mass and therefore require a vessel. Because the vessel is that contains those waves and more energy. Ok, en gros, ils avaient besoin de ce bâtiment pour accumuler le plus d'énergie possible. It probably also explains the new construction going on, as more space would mean that much more energy can should could stockpile. New construction, effectivement, du coup, on avait un perso qui disait que ça, il y avait plus, il y avait des constructions qui se faisaient supplémentaires en haut du bâtiment. Donc, en gros, c'est sûrement pour accumuler encore plus d'énergie. That extra energy would then go on to impact the building beyond the facility, hence the digital shield. Ok. Donc voilà, ça a provoqué un digital shift et du coup ça a ramené un heater. Honestly, it wouldn't surprise me if that place goes labyrinth. Ok. Ça c'est ce qu'elle nous dit tout à l'heure. Il devrait y avoir a priori un labyrinthe dans ce building plus tard. Mais on n'a pas à s'inquiéter pour ça pour l'instant. Puis de toute façon, effectivement, comme elle dit, on a cliné ça, on a battu 2 hitters. Mais bon, c'est quand même inquiétant en ce sens que les choses se sont aussi bien résolues cette fois-ci. The fact that digital waves can be concentrated in such small quantities as to attract individual intern presence micro-labyrinth is scary. Donc oui, ce qui est un peu effrayant du coup, c'est que des vagues digitales peuvent être, vagues numériques peuvent être concentrées en si petites qualities. Bon, en gros, voilà, ça. Plus ça va, plus a priori cette capacité qu'il y aura de créer des labyrinthes va être vachement plus facile. If you hadn't been there, it might well not have been kind, machin. One thing doesn't sit well. Ok. This case has taught us that there's technology that can mostly suppress large amounts of digital waves at their build-up and place wherever. Ok. J'ai l'impression qu'elle parle beaucoup pour rien dire ici, par contre. This, of course, calls for more. Ça va demander plus d'investigation, ça, d'accord. We need to figure out how long this has all been going on and just what exactly it's for. Let's keep our eyes peeled. Donc on est sur quelque chose qu'elle nous dit. Et donc du coup, hop. Ah, on a un farm development kit, ça c'est bien. On va le mettre dès maintenant. Un farm development kit, ça permet d'avoir une toute nouvelle digifarm en fait. Donc c'est trop bien en fait. Regardez ça. Ah oui, c'est vrai qu'elle est en stand-by, elle, du coup. Bah, tu sais quoi? Vous allez développer des trucs. Millienne, quand même. Ça va me coûter cher. Et on peut Hide Island, du coup. Voilà, j'ai une nouvelle Digiferme! Alors, on va leave the Digifarm pour l'instant parce que j'ai pas encore mis Digimon dedans. Move Digimon. Hop. Angemon. Merde.
Ah, fuck. Allez, un bétamone. Un gaomon, on va varier un petit peu. Goblimon. Otamamon. Tantomon. Toyagumon, et ce sera tout. Ok. Et eux, je pense qu'on va leur demander d'enquêter. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est on va... Quoi? Thanks for everything I send. Oh, il m'a envoyé... Yasudomon qui m'a envoyé un petit cadeau. Deux friendships. Oh. C'est gentil comme tout. Merci, Zudomon. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire cette affaire annexe d'objets trouvés, d'objets perdus, qui était juste là. Otamamon's property. Il a... Oh, il a... C'est aux Axiom Forum. C'est... C'est une très petite zone, hein, le forum de Zaxxon. J'ai vu un objet déjà. Ici. Ah, c'est pas lui, c'est pas ça. Ça y est, c'est bon. C'était pas très compliqué. On va pas se mentir. Je m'attendais à passer plus de temps là-dessus. On va pas se mentir. Voilà. Ouais, ça c'est fait. Il y a un... Ah oui, je crois qu'elle nous en avait parlé la dernière fois, qu'il y avait un... Putain, il nous attend depuis longtemps, du coup, le gamin au quai café. Ah, voyons, voyons. Ah, quoi, Kaltena, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vois, tu es un cyberdétective, le bureau est juste ici, oui. Cyberdétective. Alors, les cyberdétectives peuvent prendre des affaires, hein? Oui. Je vois. Alors, est-ce que je pourrais envoyer une requête à ton bureau, à ton office? Alors, oui. Bon, bah, du coup, on va revenir au bureau. Hein? Je sais pas si c'est pas là où on va devoir réaffronter Jimmy Ken. Je n'espère pas. Ah non, difficulté, une étoile, ça va. Parce que Jimmy Ken. Oh, un Farm Expansion Plugin, ça c'est bien aussi. Voyons voir ça du coup. Ah, tu as pris mon affaire, merci. Alors, cette femme avec qui tu travailles, Kyoko, c'est son nom? Un peu bizarre, hein. Quand je suis allé au bureau soumettre ma requête, elle m'a dit un truc bizarre. Elle a dit, je vois une nasty vibe qui émane de toi. Ok. Elle a même dit, c'est comme l'aura détestable d'un homme qui poursuit une femme. Je veux dire, qu'est-ce que c'est cet enfer? Tu arrives et tu envoies une requête sérieuse et c'est ce que voilà, voici ce que tu as. Mais bon, Kyoko est vraiment jolie. Et on dirait que c'est une personne très gentille. When I was in the office, she asked me if I wanted some fresh coffee. But I said I didn't have the time. Oui.
Quand je suis allé à son bureau, elle m'a demandé si je voulais du café et je lui ai dit que je n'avais pas vraiment le temps. Ah oui, l'affaire, j'avais oublié. En fait, pour être honnête, j'ai besoin d'argent en ce moment. I'd like to try to find a part-time job so I can pick up a little extra spending money. Donc en gros, il aimerait trouver un job à temps partiel pour avoir un petit peu plus d'argent de côté, quoi. Alright, I need to pay a fee if I'm sending an official. Ah oui, oui, bien, effectivement, je dois payer les frais d'agence pour ma requête. Mais bon, est-ce que tu pourrais me trouver un job plutôt cool Ben, ce qui pourrait m'aider à payer rapidement déjà les frais d'agence et puis. Voilà. Anyway, if it's a job in Eden, you and that girl would know a lot about it. En plus, si c'est un job du coup dans Eden, toi et cette fille, vous devriez vous y connaître, non? Oui, j'aimerais bien trouver un job à temps partiel dans Eden. Ce sont généralement les plus faciles. Please find me three options to choose from for a part-time job in Eden. I don't mind if they are a little shady. Ok, donc il veut trois options. Donc en gros, il veut qu'on lui trouve trois tafs, quoi. J'ai vraiment besoin d'argent, je t'en supplie. Bon, on va en parler à l'agence. Il veut qu'on lui trouve un travail dans Eden. Ça m'a l'air plutôt facile comme requête. All the same, I'd say it's a good key. D'ailleurs, je trouve que ça serait une bonne affaire pour toi enfin, pour toi en tant que mon assistante. Donc, il va accepter un bon job, bien payé, temps partiel, et c'est pas grave si c'est un peu obscur. Donc, chercher un job là-bas comme ça dans Nakano, ça serait un peu trop difficile. I'm sure if we quietly ask some of those kind of people here in Nakano, we'll find something for him. I've heard of cushy, shady jobs quite close to here. Ouais, par contre, on a besoin d'argent urgent. Urgemment. Je me demande pourquoi. Donc, il faut que je cherche où du coup j'ai pas dans un canot ou dans Eden. Ah bah là on a des gens. Ok, je pense que c'est dans un canot qu'il faut regarder. You can work in Eden as a nice easy part-time job. If you like, I can give you a private introduction for the job. Ok. Du room laundering. Donc là, il nous décrit déjà un taf possible. One way or another, people die. Ah oui, d'accord. You just have to live in one of these so-called rooms with a shady history for 3 months. Ok. If you do, we can cover up what happened in the room. En gros, il faut être dans une salle 3 mois où il y a des gens qui sont morts. Dans Eden, hein. Eden, c'est un espace. Voilà. Un espace virtuel. Un petit peu comme le truc un peu que j'avais dans l'idée. Le truc que j'avais un petit peu en comparaison, en idée de comparaison, c'est le monde de Ready Player One, le jeu de Ready Player One. Bah, a priori, c'est un job assez facile.
C'est vrai que le mec, bon, il cherchait un petit peu l'argent et l'argent du beurre. Hein. Un truc facile qui paye bien. Ok, donc là il y en a un avec le magazine d'occulte. Prendre des photos de fantômes dans Eden. Ok. Ah putain, en voilà un autre. Ok. Nice, easy, well-paid job. Ok, il en a un. For this job, you just need to wash some stuff pickled in formaldehyde. Couldn't be easier. Ok. Bon, écoute, voici les trois options. That's all just urban legend, though. It doesn't have anything to do with Eden. Eden. Mais voilà, le truc de photographie de fantôme, ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air d'être pas mal, facile. Ouais, facile, va prendre des photos de fantômes. Seems like getting paid for just one photo is easy money. Ouais, donc en gros, se faire payer bien pour une seule photo, ça a l'air d'être quand même de l'argent facilement gagné, selon lui. Mais pourquoi est-ce que je veux trouver un taf? Mais on s'en fout de pourquoi, c'est pas de tes affaires. Ah tiens, la raison. C'est pas ses affaires, hein, pourquoi ça, hein? Qu'est-ce qui n'est pas ses affaires? Ah, ça court. Ah, ah, qu'est-ce que tu veux dire par ah? Rien, c'est rien. Ryota, est-ce que, par exemple, tu serais talking about, est-ce que tu serais en train de parler de faire des choses étranges? Hein? Non. La seule chose étrange dernièrement, c'est toi. Oh, there's no point talking to you. Come on, Keritina, let's go. Take me to client. Ok. Ryota, Keritina. Qu'est-ce qui leur arrive? Ah, tu es venu, moi. Comment est-ce que j'ai su? Je me suis fié à mes pouvoirs occultes. Donc je veux que tu cherches un fantôme, le White Boy. Donc le White Boy, on en entend parler depuis le début du jeu. Qui apparaît et disparaît souvent, régulièrement en tout cas, dans Kowloon récemment. Et j'aimerais donc que vous preniez une photo de ce. Que vous preniez une photo de ce White Boy. Take good picture, I will pay you big money for it. Si jamais tu prends une bonne photo, je vous paierai bien grassement. Pas mal, hein? You think it's strange that you can take a photo of a ghost in a digital space with a digital camera? Tu penses que c'est bizarre de pouvoir prendre des photos d'un fantôme dans un espace numérique avec un appareil photo numérique? Well, I suppose if you think about it, the very appearance of a ghost in digital space is in and of itself strange. Oui, mais de toute façon, l'apparition d'un fantôme dans un espace numérique, c'est pareil, c'est bizarre, quoi. Accepte-le, c'est la réalité. Stop. Arrêtez de prétendre que vous l'avez pas vu. Alors nous, on l'a déjà vu, effectivement. Firstly, did you know that more of 70% of the people. D'ailleurs, est-ce que tu sais que donc 70% des personnes dans ce monde ont déjà vu des fantômes et blablabla. Ok. It all started with the incident. Tout a commencé avec l'incident à Roswell. The government and the aliens are all connected. Le gouvernement et les aliens sont connectés, ils le cachent juste blablabla. Bon,
Il part dans son triple. Hein. Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'analogique ou de numérique dans l'occulte. Please get this rumor spectre on camera. Ok. Donc, allez photographier ce spectre. Well, what would you expect from the editor of... De toute façon, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi de la part de l'éditeur d'un magazine d'occulte? Il manque effectivement d'une sorte de sens, de bon sens. Le white boy, le spectre de Kowloon. Pour dire la vérité, je suis un petit peu effrayé d'y aller maintenant. Ça a l'air pas... Ça a l'air un petit peu effrayant. Well, I suppose you might as well come along. Je suppose que tu devrais venir avec moi, bien sûr. Allons à Kowloon et prenons des photos de fantômes. Eh ben, allons-y. Un, deux ou trois. Alors en fait, là, le problème, c'est que je n'ai pas Lyota avec moi. Du coup, je me demande si c'est vraiment, vraiment par là. Ah, j'ai pas des digivolvé. Je n'ai pas des digivolvé et Temon. Bon, de toute façon, ici, c'est que des faibles. No offense, hein, mais bon. Ah ben voilà. It will actually be a good thing if this white boy appears. Oui, ça serait... Bah oui, quand même, c'est ton taf, du coup. Donc, tu seras pas payé si on voit pas le white boy. Promenons-nous. C'est ça, promenons-nous. Juste, je vais faire le test. Ok, bon, j'ai comme l'impression qu'on est un petit peu guidé par le jeu. Hein. On va essayer de faire un combat. Ensuite, je reviens au Digilab. Alors, je me demande si c'est pas un peu scripté, parce que là, ça fait vraiment pas mal de pas faits sans qu'on rencontre le moindre Digimon. Ah non. Ok. Donc Toyagumon, Patamon, Betamon. On retient. Miss, d'accord, très bien. Merci. Pour ce moment. Ok, lui il panique.
Attends, Etemon, il a quoi comme stat? Il a vachement plus d'intelligence, donc vraiment les attaques magiques, c'est le mieux. Heaven Thunder, peut-être que ce sera mieux alors. Ouais, grave. Ça se voit pas, hein, mais ouais, c'est un monstre d'intelligence, cet Evan. Merde, j'ai pas vu. 624 d'XP. Pour cette config-là, 624 d'XP. Ok. Alors. On redevient Platinum Sukamon. Et là, si jamais on peut retomber sur la même configuration, ce serait très très bien. Juste un truc. J'aurais pu prendre un Digimon de plus, non? Ah, quoique. Anjoumon, Black Gatomon. J'aurais pas pu prendre le Black King Numemon supplémentaire. Mais par contre, je vais prendre Anjoumon en plus. Ah, il y a quelqu'un à qui on peut parler là-bas. Et si jamais je peux... Voilà. Parfait. On va pouvoir faire le comparatif. Donc là, on était à 624 et maintenant on est à 936. Donc en gros, ça multiplie par 1,5 l'XP qu'on gagne. Ce qui est pas mal quand même. Tu cherches un fantôme. Ah, c'est ce White Boy, j'en ai entendu parler récemment. I think anyone who gets all floss. Ok, donc bon, lui, clairement, il y croit pas. Even I find them because there is no such a thing. Ok. Je crois qu'il va falloir. Ah! Bon, lui, il commence à perdre espoir. Qu'est-ce qu'on va faire? Revenir aux deux autres ou alors ne pas abandonner. On va pas abandonner. C'est une bonne idée. Ah oui, d'accord. Il veut faire une fausse photo, je crois. Tu vas jouer le rôle du fantôme. Ouais.
ressemble à un fantôme. Soit le fantôme. Ah bah tiens. Retourne-toi. Ryota, retourne-toi. Ryota, Ryota, tourne-toi, tourne-toi. Eh ben, GG. Il y avait le white boy. Bah ouais, juste derrière toi. Prends une photo, prends une photo. Non. Couldn't get... Donc, en gros, vous n'avez pas pu prendre une photo du white boy, donc vous avez décidé de prendre cette photo-là. À quel moment tu te dis ça va passer? Ouais, c'est ça. Enfin. Un enfant en école élémentaire aurait pu prendre une meilleure photo. En tout cas, voilà, on a... Je suis désolé, mais on doit rejeter cette affaire. Quoi? Non, c'est pas vrai... C'est pas possible. Quel étonnement. Et moi, on a tout donné pour ça. Bah, peu importe. Assieds-toi. I'm going to show you how to take a picture of a god properly. Je vais te montrer comment prendre une photo de fantôme proprement. Terror basically rises. Donc en gros, la terreur fait monter l'intelligence des gens. Anything looks like a face from the right angle. Tout peut ressembler à un visage sous le bon angle. This is how you can simulate a person's imagination in a photograph. C'est la technique clé dans la photographie de fantômes. Ok. For example, here the perspective in this picture. Looks like this camera. On dirait bien que cette caméra, que cet appareil a pris une photo. Ah, ça. Regarde, derrière quel étonnant, on voit un visage humain, mais ça n'a pas de tête. Hein? Mais wow, c'est une vraie photo de fantôme. Je vais le montrer à l'éditeur. Merci à tous les deux. 90% des photos de fantômes sont fausses. J'ai jamais pensé that this one would... Je n'aurais jamais pensé que celle-ci pourrait être une partie des 10% restants. Je pense que c'est moi dans la sur la photo. Ah bon? Vous? Ah. J'étais inquiète à propos de Ryota, alors je l'ai suivi à Kowloon. I was trying to watch. J'aime bien comment Pardon. Mais j'aime bien comment en fait au début du jeu Kowloon, c'est vraiment l'endroit où il faut pas aller parce qu'il y a des hackers tout plein, etc. Et puis ensuite, mais tout le monde y rentre comme dans un moulin dès le tiers du jeu, quoi. Donc en gros voilà, je voulais le suivre dans l'ombre, mais j'ai été prise sur la photo. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un lien entre vous et les actions de Ryota? Eh bien, mon anniversaire arrive bientôt. Alors, je vois, c'est pour ça qu'il avait besoin d'argent. Il m'a demandé to buy me a present. Il avait besoin d'argent pour m'acheter un cadeau. Alors, il a cherché un travail où il pourrait faire beaucoup d'argent dans un espace de temps assez court. Il n'aurait pas dû essayer de m'acheter un cadeau qu'il ne pouvait pas se permettre. Alors il a fait son possible pour trouver un taf à temps partiel. Pour acheter un cadeau à la fille qu'il aime. Oh, les jeunes amoureux. Ça va? Vous avez l'air toute blanche. Comme si vous étiez un peu ailleurs. Est-ce que, par le plus grand des hasards, is there someone else you are in love with?
Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre dont vous seriez amoureuse? Ouh là là, ça va sentir le drama. On va faire une petite pause, la dernière petite pause de la soirée. Je vous dis à tout de suite. Et bon, on va rester ensemble encore pendant une petite demi-heure. À tout de suite.
Ah, re. J'espère que ça va toujours. Alors, les enfants, là maintenant tout de suite, on va bah déjà valider ça, parce que je crois que il y avait besoin que ce soit validé. Et on a une farm expansion to gain. Alors ça par contre, on va voir comment est-ce qu'on fait. Parce que du coup, on en a deux. Je pense que je vais d'abord faire le nécessaire pour l'emmener niveau 5, l'autre. Ah, ouais, merci. Hop. Comment... Bah déjà, farm expansion. Voilà. Et donc là, elle est rang 4, donc c'est pas encore le rang max. Le rang max, c'est 5. Mais bah, c'est bientôt. Voilà. Donc par contre, je sais pas trop quoi faire maintenant. No music, no life, that is Shibuya Tower Cross Logan. You've been there, right? Ok, bon, en gros. Le jeu nous dit des trucs clairs de rien, mais en gros, c'est. Allez, va autour de Shibuya. Donc, No Music, No Life, c'était le Tower Records, hein, donc c'était par ici. Oh, ça va peut-être être le truc un peu de Jimmy Ken, non? Ou alors... Ah non, il n'y a pas un été mal, non? Écoute, désolé. Ouais, donc elle s'étire et elle baille devant un client. All the crazy things around here the last couple of days really tickle me out. Ok. Oh putain, ça fait... Ça y est, ça me fait bailler, quoi. Donc oui, elle fait... Ah, y a des trucs un peu bizarres qui se passent ces temps-ci. Oh, t'es un super détective? Pas mal. Ah, je devrais pas parler comme ça à des clients, je suis désolé. Donc, ouais, d'accord. Il se passe des trucs bizarres. Peut-être qu'on peut aller en parler à Kyoko, je me dis. Moi, je pense que c'est ça qu'il va falloir faire. Non. Ah, voilà, on a une nouvelle affaire. Difficulté 3! Oh, encore une farm expression plugin. Eh ben, on va pouvoir la monter niveau 3. Niveau 5. Ok, par contre, je suis pas sûr qu'on ait le temps de la clore maintenant. Difficulté 3, ça va peut-être nous demander un petit peu de temps, notamment de la préparation pour faire le combat, le boss final, quoi. Alors, dis-moi tout. Donc, bon, elle se présente, hein, c'est une otak, etc. Et elle a un petit job ici. Mais donc, du coup, il se passe des trucs, on dirait des pièges, des pranks. The cities on display keep switching without missing. Donc, ouais, les CD switch entre eux sans que ce soit moi et. CD bizarre, genre amateur, arrête pas de popper au milieu, c'est bizarre. C'est pas juste bizarre, hein, ça m'effraie vraiment. La police dit qu'ils peuvent pas faire grand-chose là-dessus. Je peux pas manger, je peux pas dormir, c'est un problème. Je veux dire, il doit y avoir une explication, non? Il doit y avoir quelqu'un qui fait ça.
Alors, s'il te plaît, est-ce que tu peux trouver pourquoi, s'il vous plaît? Et on peut donc. On a un keyword Strange Pranks maintenant. On peut demander au client. Oh, lui, non. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse nous dire. Non plus. Enfin, disons que c'est pas très intéressant. Et toi? Voilà. Ah, tu enquêtes sur le truc bizarre qui se passe en ce moment? Bah, je suis pas sûr de savoir grand-chose qui pourrait t'aider. On dirait que quelqu'un n'arrête pas de rajouter ce mystérieux CD dans les rayons. Ah, regarde, il est là! Tu vois, il y a juste des symboles bizarres sur la jaquette. Il n'y a pas de nom de groupe ou quoi. Je veux dire, c'est pas Led Zeppelin, tu sais. Tu veux écouter? Vas-y, on va écouter. C'est horrible, hein? Some people were cracking jokes about some kind of monster. Des gens ont fait des blagues sur un prétendu monstre qui aurait composé ça. Mais, enfin, effectivement, les rythmes et tout ça, ça a l'air clairement inhumain. Comme tribal. Et puis, the display keeps getting changed up so that somehow this city is always right in. Oui, donc en gros, l'emplacement de ce CD change tout le temps, ce qui fait que tu l'as toujours à un moment ou à un autre en face de toi. My best guess is that someone sneaks. Ma meilleure hypothèse, en gros, c'est que quelqu'un vient la nuit. Maybe that's how you find out. Come back after dark and what? Ok, donc en gros, peut-être que c'est comme ça que tu le trouveras. Viens quand il fait nuit et puis tu verras bien. Allons parler à Reiko. Qu'est-ce qui se passe? Ah non. Je pensais que la Farm 2 avait terminé son investigation. Je crois qu'on fera ça ce soir quand même. Fieril, comment ça va? Roule sur le jeu, j'étais retourné. Comment tu vas? Coucou. Alors, Digimon Story Cyber Sleuth, il y a des Digimon dedans. Ça va bien, ça va bien. On est pas très loin quand même d'avoir fini. J'avais prévu jusqu'à minuit et là, bah, il est minuit moins le quart. Mais j'avais envie d'avancer un petit peu. Le truc, c'est que j'avais envie d'avancer un petit peu dans le stream, d'avancer un petit peu dans l'histoire. Et en fait, on s'est retrouvé très rapidement face à un boss que j'ai senti qu'il fallait que je constitue une team assez bonne avant. Des Digimon, Digimon sounds fake. Et en fait, le truc, c'est que j'ai peut-être overkill le truc parce que je l'ai battu en deux attaques, littéralement. Donc voilà! Eh bah bien. Ouais, mais en fait, ce sont des boss. Si jamais tu continues, tu entendras assez vite parler de ces créatures. Elles sont. En fait, le truc, c'est qu'elles sont très très résistantes. Elles ont peu de points de vie, mais elles ont une défense de ouf. Ce qui fait qu'elles peuvent être très difficiles à battre, d'autant qu'elles ont certaines attaques qui sont assez abusées. Tout ça pour dire que, bah en fait, je me suis dit, je vais préparer des bons Digimon avec les attaques qu'il faut pour ce genre d'ennemi. Et en fait, bah je m'en suis préparé deux. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être une demi-heure. Je m'en suis préparé deux et j'ai essayé de les XP assez. Et bah en fait voilà, je les ai battus ensuite en deux attaques. Donc, Reiko. Ah, tu as écouté? Eh bien c'est unique, ça c'est sûr. L'artiste est clairement créatif. Juste pas tout le temps bon.
Ah, tu as vraiment trouvé que c'était si mauvais que ça? Ah, je suis désolé. Ben, moi, j'ai pas trop détesté. Alors, comment se passe l'investigation? T'as de bonnes pistes? Après que le magasin est fermé, eh ben, si jamais c'est ce qu'il faut pour aller au fond du mystère, eh ben, il va falloir. Ok, donc maintenant on est de nuit, si j'ai bien compris. Eh ben, tu reconnais cet endroit la nuit? C'est presque effrayant. I ran a scan of tour records and definitely picked up traces of the digital waves. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir retourner faire l'investigation avant de terminer cette affaire, par contre. Pranks are Digimon related. I'm almost certain. Donc, oui. C'est lié à un Digimon, clairement, je suis quasiment sûr. Les étranges symboles qu'il y a sur le CD pourraient être clairement une écriture de Digimon. There's gotta be some clue we're missing. Ok, donc on va inspecter ça. Oui. Ok, donc d'après le manager, enfin d'après elle, le manager nous autorise à être là jusqu'au matin. Donc allons-y. Hein, comment ça, c'est trop dangereux? Qui que ce soit qui ait fait ce CD est dédié à sa musique. Je veux le rencontrer. So, like it or not. Donc je viens, Kentena. C'est. If it's okay. Si, c'est ok. Ok, bon bah. Alors, je crois que j'ai trouvé le Digital Shift. Il est là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un Digital Shift. C'est quoi un Digital Shift? Ah, Etemon! Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis endormi ou quoi? Qui vient à cette heure-ci? Oh, peut-être qu'ils sont là pour moi! Mes fans, mon public adoré, est là pour m'accueillir! Est-ce que tu es obsédé par mes musiques? On va dire oui. Oh mon dieu. Eh oui, Etemon. Si tu as regardé l'animé à l'époque, tu le connais, Etemon. You know the true Sonic Arts when you hear them. Bon, on va y entrer ou pas dans ce. Ah, Galatena! Il l'a enlevé. Je l'ai regardé à l'époque et il y a quelques années. Ah. Ah oui, donc c'est pas. Ouais, là c'est vraiment un labyrinthe en fait. Ok, ce Digimon m'a dragué ici. Enfin, m'a dragué non, mais m'a attiré ici. Et where is here? Mais c'est où? On est où? On dirait plus le Tower Records. Hey, c'est enfin reconnecté. Our link with you went dead a while ago. J'ai perdu connexion avec toi juste il y a quelques instants. Donc, we figured it must have been the labyrinth. Donc, on a supposé que c'était le labyrinthe. Alors, on a essayé de te recontacter depuis. Now that we've found a way around it, we should be able to stay in contact despite any other digital wave anomalies. Well, with luck. Ok. Avec un peu de chance, en gros, maintenant qu'on a repris contact alors que tu es dans le labyrinthe, même s'il y a des anomalies de digital waves, entre-temps, on devrait réussir à garder contact. Anyway, you were in the labyrinth, tell me everything. Ok. Dis-moi tout. Tower Records. Qui aurait pensé qu'il y ait un chemin caché là-dedans? Every analysis I run comes back the same. The labyrinth under Shibuya has definitely grown.
Ouais, toutes les analyses que j'ai faites montrent la même chose. A priori, le labyrinthe qui est sous Shibuya, clairement, c'est étendu. Even though it's nothing compared. Bon, par contre, ça n'a rien à voir avec celui de Shinjuku. Hein. Given the situation, there was only one logical Digimon response. Donc, dans ce. Étant donné la situation, il n'y avait qu'une seule réponse logique de Digimon. Bref. Ok, la créature n'avait pas d'autre choix que de t'attirer ici dans ce labyrinthe. Et je t'assure, I have no banner. Et je t'assure que je n'ai aucun doute quant au fait que ce soit un Digimon. Eh ben nous non plus, on a vu un Etemon. Hein. You need to find it at fast. The moon can't have gotten very far. Ok. Bah ouais, du coup, merci, mais j'ai trouvé deux enquêtes auxiliaires, d'accord, mais je peux pas les faire maintenant, moi. En plus, apparemment, elle est compliquée, la mission. Elle vient sous Shibuya et Shinjuku, comme si déjà pas assez les gares étaient déjà pas assez labyrinthiques. Ah ouais, grave, non mais c'est l'enfer pour se repérer dans une... Franchement, j'ai pas un mauvais sens de l'orientation en temps normal, mais alors les gares au Japon, c'était l'enfer. Bon, pour l'instant, c'est juste un couloir, hein. Ah! Une intersection. SP attach C, ok. On se fait pas du tout attaquer. Je suis assez surpris. Ah! Alors attends. Alors attends. On n'est jamais trop prudent. On vient de dépasser les 25 heures sur le jeu. Oh, bienvenue! Ok, donc il va en bas, nous on va aller en haut. Bon, bah finalement on va aller en bas. Je pensais qu'il y avait peut-être un chemin auxiliaire avec un objet au bout en haut. Tant pis. Ok, lui il est vraiment en train de jouer au chat à la souris. Je veux voir si jamais... Ouais, ok. Angewoman, eh oui. Elle est forte, hein. Elle est très très forte. Big up à Umeda et Shinjuku. Ah ouais. Shinjuku pourrait en pleine nuit pour aller prendre le bus de nuit au troisième étage et je m'en souviendrai toute ma vie. bonne nuit, p'tit. Gros bisous à toi. Et merci d'être passé. Quiz time! Ah, un quiz time! Comment est-ce que tu appelles deux lignes continues qui ne s'intersectent jamais? Parallèle. À tout à l'heure pour la réponse. Alors on va aller au Digilab. 3D, des lignes 3D, les fameuses. No need to recover, bah oui, j'ai personne. Vous savez quoi? Je pense qu'on va essayer de se le faire comme ça, mais à mon avis, on va se faire défoncer. Hop là. Là. Il va pas être loin de nous. Non, merde. Il va pas être loin de nous affronter, je pense. Parce que c'est quand même une mission de difficulté 3, hein. Donc 3 sur 5. Sachant que au point où on en est dans l'aventure, on en a eu très peu, voire pas du tout, de mission difficulté 3. Donc je m'attends à ce que ce soit compliqué. Paralysis recovery, ok. Putain, et il va faire chier là. Ouais, d'accord. On va jamais réussir à l'avoir comme ça. Donc il faudrait qu'on le prenne par derrière.
Hop, on va aller par ici. Et là, normalement, on devrait avoir des combats quand même. On va essayer de retenir un petit peu la configuration des lieux. Et Lekmon. Ah, et Lekmon, c'est peut-être niveau champion. Mais c'est une data, donc là, on devrait réussir à lui faire des dommages. Notamment avec le Rare Metal Poop. Ça va vraiment le... lui faire mal, voilà. Ok, bah ça m'a pas l'air très compliqué comme zone. Du friendship, pourquoi pas. On va voir peut-être que ici. Ah merde. Des Gekkoman, il me semble que c'est des champions aussi. Hein. Ça va pas être une zone où on va trop galérer à faire les combats à la chaîne. Par contre, ça me frustre. Points d'XP! Le boss de tout à l'heure, c'était 2400, hein. Donc c'est dire que là, il a... Ah, il nous a régalé pour l'XP. Il aurait fallu que j'enlève Black Gatomon et que je prenne Black King Numemon à la place. Hop là. De l'Exciting Meat. Alors ça, l'Exciting Meat, c'est pour donner à manger dans la Digifarm. Je vais sortir du réseau là. Et je vais faire ça, je vais remplacer machin par Black King Numemon. Parce que Black Gatomon, pour l'instant, il me sert pas à grand chose. Hop. Putain! Est-ce que je peux utiliser Nano Break Machine plutôt? Ouais, bouffe. Franchement, ça donne grave de points d'XP, les Gekkoman, c'est ouf. Ah, je suis content. Parallèle is correct, you're amazing, merci, merci, merci. Je trouve que tu as entièrement raison, je suis exceptionnel. Donc, hop là, on va reprendre. Parce que les Black King Numemon, faut vraiment commencer à les entraîner assez tôt, parce que c'est très long de les emmener au niveau 65. Merci, c'est niveau CE2. C'est ça. Bah, en fait, t'as différents types de questions qu'on te pose. T'as ce genre de connaissances de base, hein. Tu as des connaissances sur les Digimon, tu as des connaissances sur le scénario. T'as pas mal de questions différentes en vrai.
Donc du coup, voilà, ce type de questions qui sont les connaissances de base, c'est facile. Par contre, des fois, tu tombes sur des questions qui sont beaucoup plus dures. Donc je disais Move Digimon et Black Gatomon, on va le remplacer par mon Black King Numemon qui est ici. Partie Digimon, 56 sur 60. Et bah voilà, c'est plein. Hein. C'est sûr que j'ai pas un memory up quelque part, parce que là ça devient un peu embarrassant. Un peu chiant. Black Gatomon, il est trop dark. Ouais, ah bah ouais. Chat, mais chat dark, tu vois. Après, c'est pareil, hein. T'as des tas de Digimon dark. Alors, regarde, là j'ai 3 King Black Numemon. Black King Numemon, donc. T'as vu comme il est beau? En fait, je les entraîne uniquement parce que ensuite ça donne des Platinum Numemon. Un petit peu comme les Platinum Tsukamon. Et du coup, ça multiplie l'XP obtenu. Et donc du coup c'est extrêmement fort. C'est extrêmement utile dans tout le jeu parce que on a énormément besoin de d'XP dans ce jeu. Et Black Atomon sur Google, il est parfait. T'as vu ça? Non! Oh putain, merde! Je pensais pas qu'on allait arriver, on allait bourrer dedans directement comme ça. Il va nous combattre. Merde! Ouais! Ah, ça peut passer. Ça peut passer. C'est bon. Passer. On va restaurer un petit peu d'HP. Faudrait que les Platinum Tsukamon tiennent assez longtemps. Oh, c'est pas ouf, hein. Hop là. Celestial Arrow encore. Faut juste que j'en lance 3, du coup. Après, on peut éventuellement essayer de le battre avec un ça, mais ouais, non, pas ouf. Mirror Reflection, oups. Alors, de mémoire, je crois que ça va infliger plus de dommages, mais après, ça va charger un petit peu les dommages et les renvoyer ensuite, si je dis pas de conneries. Voilà. Bon, finalement, ça va. Après, j'avais vraiment le bon Digimon, hein. 7068! J'avais vraiment le bon Digimon pour ça. Parce que du coup, j'étais antivirus, il était virus. Il était ténèbres et j'étais lumière. Et en Jouamon de base, voilà, est quand même vraiment fort. Enfin, en tout cas, cette attaque-là est forte et il me semble que ça exploite très bien les statistiques de leur Jouamon. Donc voilà. On gagne 2 niveaux avec Anjouomon. 17 à 23, ça fait 6 niveaux de plus pour ce Platinum Tsukamon-là. Un niveau seulement pour Platinum Tsukamon. Mais level 41, on doit l'emmener level 65. On a commencé, il était niveau 34, hein, je crois, le stream. Donc, pas mal. Ok. Eh ben, très bien. Oh, tu es meilleur que ce que je pensais. Ok, t'as gagné la bataille. Et si tu ne veux pas me céder sur les étagères, eh ben d'accord, je vais les enlever. Et je promets de ne pas réutiliser le chemin secret encore. Ok, c'est bon? Alright then, now that we're here, ben, maintenant je suis pas très sûr de quoi faire. Sauver cet Etemon. Etemon, il a pas l'air d'un mauvais Digimon. Je pense que je vais juste en parler au client. Allons à Tower Records. Donc ouais, je pense que je vais faire les deux missions auxiliaires après avoir fini cette mission-là, histoire que ce soit bien carré.
Ah, tu es de retour. Tu es saine et sauve. Tu es vivante. Yay. Ah, tu es partie si longtemps, je ne savais pas ce qui t'était arrivé. Je ne savais pas quoi faire, et maintenant tu es de retour. Un Digimon? Est-ce que ça veut dire que ça veut dire ce que ça veut dire? Même hors du cyberespace d'Eden? Alors, c'est. Les CD qui étaient placés sur les étagères, là, les pranks, c'était juste le Digimon. Des pranks? Tu es parti depuis 84 ans. C'est mon arrière-grand-mère qui m'avait parlé de toi. C'était de l'art. Vous vendez plein de types de musique ici. Pourquoi est-ce que je pourrais pas vendre la mienne aussi? Il me fait un peu de peine en vrai, là. Je travaille dur, moi, là-dessus. Et sur les vocales, et sur les ba les percus, et sur le mixage. Mixing the right amount of guitar is not easy as it looks. Ah non, je ne sais pas que. It's just your music is such an aberrant asshole on my sense that it makes me wish I could claw out my ears. Mais vraiment, enfin, d'accord. J'ai envie de m'arracher les oreilles à chaque fois que j'entends ta musique, mais en soi, c'est unique. C'est violent, mais t'as vu ça? I think we're already. Donc en gros, elle a fait un compliment sur sa musique comme quoi c'était unique et les gens sûrement seraient enclins à aimer ça plus tard. Yeah. Mais bon, il faut juste un petit peu de temps pour que les gens s'habituent à ce genre de musique, tu sais. Alors, n'abandonne pas. Et moi, je t'abandonnerai pas. You have to believe in what. Il faut que tu crois en ce que tu crées ou tu ne réussiras jamais. Est-ce que tu dis ce que je pense que tu es en train de dire? C'est ça un peu, Fieril. If you promise to knock off all the freaky stuff, I'll talk to my manager and I'll do my best to get your CD stocked for real. Ok, donc si tu arrêtes de faire les trucs en douce, je pourrais parler à mon manager pour que tes CD vraiment aient leur place attitrée sur nos étagères. Et je pourrais même essayer de réécouter. Qui sait? Peut-être que je finirai président de ton fan club. Oh, merci. Merci, j'ai jamais eu de vrai fan avant. Au moins un, ça me fait plaisir. Bon, bah voilà. Ok, donc après ça, le Digimon a eu une petite exposition. Enfin, chercher une petite. De la visibilité, un petit peu de visibilité. I can feel like he wasn't punished much for the war. J'ai quand même l'impression qu'il n'a pas été assez puni pour tout le truc de comment on peut dire breaking and entering thing des fractions quand même. Ça, c'est pas vraiment ça. On est allé au fond du mystère et I got to hear a really cool app and coming artist. Ok. Elle a découvert un nouvel artiste, elle est contente. Je vais acheter son album. That's the best part of that music, there's room for anyone to try their hand. C'est ça qui est bien avec la musique, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde et pour tous les styles. His music may be strange. Sa musique a beau être étrange, ça pousse la musique à ses limites. Et il faut que tu. On doit respecter ça en tant qu'artiste. J'aime bien ça. You're not just in to grow. Ok, t'es pas juste là à aider dans le magasin de musique, tu essaies aussi de détendre le monde de la musique. Et j'en espérais pas moins. Hey, no music, no life, c'est mon hymne. Merci. Merci, thank you so much. Merci tellement, tellement merci. Quelle était là? Maintenant, je peux revenir à ce que j'aime. Always feel this Tower Records is like a shrine to music music. Le Tower Records est comme un temple pour la musique de ouf. Voilà. C'est vrai que putain, Tower Records, c'était quelque chose. Hein.
Je crois que j'ai dépensé. Là, quand j'étais venu, du coup, au Japon, les magasins dans lesquels j'ai le plus dépensé, et de loin, c'était Tower Records et le Poké Center. Tower Records qui a tranquillement son slogan. Ah non, mais en plus, t'as peut-être pas vu, mais du coup, à l'extérieur de Tower Records, tu as des affiches de vrais groupes, en fait. She really believes in that store. Elle croit vraiment en ce magasin. J'espère que. I hope they know how lucky they are. J'espère qu'ils sauront, qu'ils verront à quel point ils sont chanceux d'avoir une employée comme elle. J'ai pas vu dans le jeu, non. Bah après, t'es pas allé assez loin en tout cas, et puis là, bah, t'es arrivé alors que j'étais encore dedans. Mais si jamais je peux, j'irai devant et puis tu verras. Can't argue with the level of devotion. Ok. Oh, je suis un Rising Cyber Sloth maintenant. Excellent. Et j'ai un Farm Extension plugin, ça c'est trop bien. Oh merde, on a une cinématique. Oh les gars. Alors, tu t'y fais à ta vie de détective? Oui, depuis 6 chapitres quand même. Je vois. Pas encore de vraies sensations pour l'instant. But I'm going to need you. Mais je vais avoir besoin que tu travailles encore plus dur. Le motto de l'agence est. Bonjour. Reject not those who come, chase not those who leave, those who will not work will not eat. Ok, donc ne rejetez pas ceux qui viennent, ne chassez pas ceux qui. Ne rattrapez pas, ne chassez pas ceux qui partent. Ceux qui ne travaillent pas ne mangeront pas. Mon père m'a enseigné ça. Bonjour. Ah, on a déjà des. Ne rejetez pas ceux qui arrivent. Bonjour. Ah, on a déjà un abonnement de journaux. Non, c'est pas ça. Ah, on a déjà un instincteur et Internet. On a tout ce qu'il faut. On a tout ce dont on a besoin dans notre agence. Désolé. C'est une agence de détective, non? Hein? Et une agence de détective dans le. Enfin, une agence de cyberdétective? J'ai une affaire pour vous. Je suis un client. Un client! Un client! Ah, bienvenue dans l'agence de détective Kuremi. Je vous en prie, donnez-moi les détails de votre affaire. Chapitre 7! On l'a atteint, ça y est. Demon plus. Quoi? Carpaccio? Donc, dans notre mot. You planned. Vous aviez prévu d'acheter un Digimon Capture de la part d'un. Enfin, vous vouliez acheter. Donc, à un hacker, un Digimon Capture, mais vous êtes fait voler une médaille Digimon très rare. Oui, exactement. Digimon Capture en vente bas prix, machin. Ça avait l'air trop beau pour être vrai, quoi. Et ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Jouer avec les obsessions des gens. Des obsessions? Oui, les obsessions des gens. Il n'y a rien de plus fragile que ça. Quand tu veux quelque chose, tu le veux, peu importe le risque, peu importe la méthode. Et si tu es chanceux, tu peux en avoir plusieurs. Un pour la sauvegarde, enfin, un pour le laisser. C'est un peu comme quand tu achètes deux fois le jeu, genre un pour le laisser sous blister et un pour y jouer finalement. Enfin, j'ai l'impression, bon après ça s'applique pas trop aux médailles, mais bon quand même. To think that they titillate even a grown-up obsessions, such a dignified. Oui, bon, voilà. En gros, il est outré que les gens profitent aussi des adultes comme ça. Je ne leur pardonnerai jamais. Jamais, jamais, jamais. Grrr.
On comprend ce que vous essayez de dire. En gros, vous voulez qu'on aille vous récupérer cette médaille Digimon, c'est ça? Ils m'ont volé de la monnaie virtuelle aussi, mais je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est de retrouver ma précieuse médaille Digimon. Grrr. Ok, on s'occupe de votre affaire. On fera le mieux, voilà, on fera de notre mieux. Tu as entendu ça, Calothena? Le perpétrateur? Je sais pas. Bref, le voleur, clairement, je pense, ne voulait pas la médaille elle-même. I'm guessing the plan was to pawn it for cash given how rare it is. Il y a un magasin ici à Nakano où on vend des médailles Digimon, si je me souviens bien. Ça pourrait être un bon endroit pour commencer notre enquête. Commence par poser des questions. Le coupable, on dit le coupable. Merci, Firil. Effectivement, on dit le coupable. Mais perpétrateur, ça serait pas mal, non? Ça pourrait faire Francie si jamais c'était un vrai mot. Meanwhile, donc je vais, pendant ce temps, moi je vais chercher cette médaille Digimon. C'est si dommage que je ne partage pas le même degré d'obsession. Nakano, je devais y aller, mais. Ah, nous, on y était allés, et c'est vrai que ça ressemble à ce qui. Enfin, ça ressemble, mais à la fois, ça ressemble pas. On s'est perdu là-bas d'ailleurs. Mais quoi, du coup? Ok, alors. Les enfants. Ok, un message de Delugamon. Juste, je vais pas aller. Bah déjà, je vais te montrer Tower Records. Tel qu'il apparaît dans le jeu. Donc c'est à Shibuya. Ah, on reconnaît. Hein. Et voici. Typiquement, alors je sais pas si elles sont très connues au Japon, mais moi je les connaissais. Ça c'était les Vanilla Beans aussi. Là, les Vanilla Beans au-dessus. Qui passait sur nos lives. Et non, ça c'était je sais plus qui. Et là on est les Negico qui passaient aussi sur nos lives. Et par contre, Omi est d'accord. Et ça c'était quoi? Je lis pas d'ici. Mais après, c'est vrai que les clips de Vanilla Beans, ça avait l'air très amateur. C'est pour ça que je me dis, je sais pas si si c'était très connu. Par contre, les Negico, je crois que c'est un peu plus connu que ça déjà. Après, les idoles et moi. C'est vrai qu'il y a que des idoles là, maintenant que j'y pense. Après, c'est vrai que j'essaie de lire celles qui sont comme ça là. La nommée. Bref. Planimé. Ah. Mais ouais, je connais pas non plus. Mais voilà, Vanilla Beans et Negico, c'était des groupes que j'avais reconnus. Donc voilà. C'était ça le truc qui m'a fait rire. C'était vraiment. Les pubs correspondent vraiment à des trucs qui existent dans la vie réelle, quoi. Alors on va continuer. Bah, déjà, ça, on va l'étendre au niveau max. Et on va leur demander de développer des trucs. Et ici, Farm Island 2. Bah on va leur demander de refaire des investigations.
Donc, on va voir un petit peu quelles sont les deux investigations qu'ils nous ont trouvées. Pour rappel, en fait, ça peut être soit deux trucs. Ça peut être soit des objets à retrouver, soit des hackers à affronter. Donc là, c'est que des objets trouvés. Zaxxon Forum, ça va être rapidement fait. Et en fait, il y a, je crois, 30 hackers à battre par ces missions-là. Alors, Otamamon, il est là. On va voir déjà si on trouve quelque chose. J'ai l'impression que peut-être il faut lui parler avant. Ok, donc ça c'est fait. C'est pas toujours aussi facile, hein. Je précise. Et là. Câble level 3, ça va déjà être un peu plus tendu. Parce que c'est grand, câble level 3. C'est grand. Et en plus. Bah, il y a des Digimon pas très forts, mais bon, disons que à la longue, quand tu bats des Digimon moyens, tu risques de commencer à avoir des difficultés parce que ils te font perdre à chaque fois un petit peu de vie. Mais ensuite, ça peut aller vite, ça peut t'handicaper ensuite quand tu les enchaînes beaucoup. Est-ce qu'on voit un objet au loin? J'ai pas l'impression. Après, deux Tsunomon, franchement, c'est pas ouf, hein. Ah, c'est tout. Quand même. Ça fait rien gagner quoi. Ça fait gagner que dalle en termes de points d'XP. Il me semblait qu'il y avait des Digimon un peu plus forts que ça quand même. J'ai pas vu. Tiens d'ailleurs là-bas. Ouais non. Ça déjà c'est une config qui est un petit peu plus vénère quoi. Voilà. Putain, ils étaient plus faibles que les Tsunomon. Ok, on est pas mal. Presque 11 000, 11 000 bien sûr, presque 1 000 points d'XP hein, finalement, c'est pas si mal. Mais ouais, je doute que ce soit dans cet écran-là. Ça va commencer à bien faire, les enfants. J'adore les gifles qu'elle met, quoi.
On va essayer par là. Je vais voir si jamais j'ai rien pour. Bon, j'ai le niveau 1 de High Security. On dirait que je mets complètement la main dans ses boobs, hein, on est d'accord. Attends, on va tomber ici, on sait jamais. Pas d'objet par là. Aïe aïe aïe. Si je savais à quoi m'attendre avec cette mission. Ah, c'est sûr que Zaxxon, le forum de Zaxxon, il est plus facile, hein. Ça me surprend un peu d'ailleurs, pour être honnête, que cette mission ne soit qu'à une étoile. Bon, après, les Digimon sont pas puissants de ouf, hein, dans cette zone, mais bon. Quand même, ça fait beaucoup de combats à faire vu que bah, il faut vraiment beaucoup fouiller en fait. On va voir par ici. Oh, ça va. C'est une formalité, hein, ici, clairement. Ok, on a plutôt bien avancé hein, dans les niveaux des Digimon. Notamment les Black King Numemon. Hein, qui est niveau 42 maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, ça m'inquiète. Là, je vais vraiment jusqu'au bout du bout du bout de la zone. Des fois que j'ai mal vu et que j'ai manqué l'objet qui était dans cette zone, et en fait, ben non. Je suis venu jusqu'ici pour rien. Pour moi, j'ai vraiment cherché partout là. Où est-ce qu'il peut être? Il est là! J'étais pas allé jusque-là encore. Non! Je voulais attaquer Patamon! Nigo! Patatmon. C'est un peu ça, hein. Encore un combat et Angewoman montera à niveau 40. J'ai un Black King Numemon qui montera à niveau 25. Mais pas mal. Putain, j'ai hâte, le niveau 65. Ok, on va pouvoir revenir voir Numémon.
Quoi? Putain, il est déjà minuit 33. Il y a des levées. Il y a des Digimon niveau max à la Digiferme. Bah, je pense notamment tous les Digimon niveau disciple que j'avais mis à la ferme qui ont dû. Parce que tu montes de niveau hein, à la ferme. Et donc, du coup, bah, ils ont dû se retrouver. Level max. Tous ensemble, en même temps. Donc on va faire des digivolutions et puis on se laissera après. Donc ça va être dans la Farm Island 2. Je regarde juste un petit peu... Wasmon, je peux essayer quand même de le digivolver en quelque chose. J'ai ça, je sais pas du tout ce que c'est. Vas-y, on va tenter. Ça va être la surprise. De toute façon, je m'en sers pas de Wasmon en ce moment, donc... Oh putain. Ah, je sais pas s'il était pas bon, lui, d'ailleurs. Canon Bimon. Ben... j'ai un rap, j'ai rapid mode, mais bon, c'est un Digimon ultime, donc du coup, le niveau auquel il évolue, ça va être beaucoup plus haut. Gardromon, j'ai un nouveau ici. Allez, c'est ouais, c'est Canon Bimon. Ah bah oui, Andromon, the famous. Le problème, c'est que j'ai de ouf des Digimon... Je commence à avoir de ouf des Digimon ultimes, mais j'ai tellement peu de parties memory pour l'instant que je ne peux en prendre pas beaucoup. Oh, quoique, je suis mauvaise langue. Blacking Numemon, ils sont... c'est des ultimes. Bah oui, c'est pour ça qu'ils me prennent autant de mémoire. Après Vidramon, là il y en a un que je peux faire. Robocopmon, j'avais oublié son nom, il ressemble vraiment à Robocop. Oui, c'est Andromon. Il apparaît très tôt dans la série, d'ailleurs. Épisode 5, je crois. Cyberdramon. Léomon, je peux en avoir un ici. Une digivolution. Une grosse noire dans le torse. Ouais, dans la jambe. Dans la tour, c'est dans une usine. C'est quoi ça? Pangiamon. Je me souvenais plus de lui. Ok. On peut continuer, hein. Dorogamon, je voulais quoi déjà? Ah oui, c'est juste que il a pas assez de camaraderie ou de def ou de max SP. Ouais, bah il va rester comme ça pour l'instant. Infermon, il est ultime aussi. Aquilamon, il peut rien être. De toute façon, c'est Aquilamon, il est nul. Ok, ici, Angemon, il peut être Garudamon, pardon. Ouais, bon, c'est pas très intéressant. Blagatomon, ah oui, il peut devenir Cyberdramon lui aussi. Et là, il manque juste le niveau 30. Il est niveau combien déjà? 24, pas très loin. Et il y a ça aussi, ok. Cyberdramon, ah, je veux voir un truc. Ouais, ok, non, c'est pas ouf. Ok. Zudomon, niveau ultime, donc voilà, ça va être dans longtemps. Et Agumon Black, alors là, ça y est, c'est là où il commence à être niveau max, tu vois. Level 15, max level 15. Donc il va falloir le digivolver. Il y en a que j'ai pas eu, il y a lui. Lui je vais préférer parce que l'autre je sais ce que c'est et je l'aime pas du tout. Graumon. Ah, Tankmon. Ouais, ok. Betamon. Ah, je peux avoir un Sidramon.
Après ça, Gaomon. Ah, je peux en avoir deux. Alors, il y a Gargomon, Ogremon, mais moi je veux Gaogamon. Là aussi, c'est un bon Digimon pour les fans de Fury, hein, Gaomon et ses Digivolutions. Y a qu'à voir son évo à lui. Son évo à lui, Mac Gaogamon, je pense que. Il y a des fanarts qui se perdent. Goblimon, bah Goblimon, on va pouvoir avoir Ogremon avec lui. Nanimon, non, il est hors de question que j'ai Nanimon. Bah bien, il va falloir y passer un moment, mais. Tard. Parce que Nanimon, le Digimon, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ça, en fait. Otamamon. Otamamon, bah. Oh, je peux pas avoir lui. Ah, il demande plus de défense. Demande plus de défense. Vous savez quoi? Je pense que je vais le digivolver et le dédigivolver. Voilà. Et pourquoi je fais ça en fait? C'est parce que maintenant, en fait, quand tu digivolves et que tu dédigivolves, le max level augmente. Tu vois, avant c'était 15, maintenant c'est passé à 28. Et d'ici donc le niveau 28, bon il est revenu avec des stats de. Il est revenu avec des stats de niveau 1, mais il était bloqué avec des stats de niveau 15. Et donc là, comme il va pouvoir aller plus haut, il devrait pouvoir arriver jusqu'à. Combien c'était? 55 de def. Il y a d'autres manières de pouvoir atteindre ces stats là, mais bon, c'est pas. Je vais pas me. C'est un peu complexe et donc j'ai pas envie de faire ça maintenant, tout simplement. Otamaton. Oui, comme le Kirby que j'ai. Là, il y en a deux que j'ai pas. Bah, allez, Kabuterimon quand même. J'ai la flemme, tu peux le dire. Ouais, non, j'ai la flemme de faire ça maintenant. Bah, surtout, j'ai la flemme de maintenant me mettre à chercher les infos sur comment fonctionne. En fait, ça marche avec les Digifermes et avec les trainings de Digifermes. Et je me souviens plus exactement comment ça fonctionne. Donc voilà. Je sais même pas si c'est pas déjà trop tard, en fait. Hop là, ça sent le Sokamon. Je sais même pas si c'est pas déjà trop tard, en fait. Dans le sens où je crois qu'il faut. Voilà, merci. Je crois que peut-être il faut setup des trucs dans le training pour que ensuite, en prenant des levels, tu gagnes plus facilement dans différentes stats. Et donc du coup, comme là il était niveau max, bah, c'était mort. Ok. Bah du coup, je pense que ça va être bon. On a fini notre Schmilblick là. On est toujours avec notre Dream Team, Anjouomon et 5 merdes. Enfin, littéralement, deux merdes et 3 escargots. Donc voilà. On va sauvegarder ici. YouTube, merci d'avoir regardé ce live. Je suis désolé si jamais il a un petit peu tiré en longueur par moment. Voilà, c'est du temps qui est parfois nécessaire pour build-up des trucs. On a quand même relativement bien avancé. On est arrivé au chapitre 17, c'est déjà un bon point. C'était rigolo, merci. La plus belle et les égouts. C'est un peu ça, ouais. Et voilà, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker. Et comme ça, éventuellement, je pourrais un petit peu m'organiser pour streamer ça un peu plus souvent. Parce que c'est vrai que la dernière fois, du coup, comme je disais, c'était il y a 3 mois. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch et Discord et TikTok. J'essaie de le développer pas mal en ce moment, le TikTok. Donc n'hésitez pas à passer, le lien est en description. Je fais du gaming dessus, je fais des petites reviews, etc. Et des best-of, donc ça, moi j'aime bien. Voilà. Et voilà. Bah écoutez, prochain dimanche RPG prévu pour dimanche prochain. Les VOD suivantes arriveront donc lundi pour les RPG. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine. Ciao.